Yo, salut la compagnie. Alors là, mais ça va chercher mes nouveaux instruments. Donc, mis en bas, qu'elles sont avec moi. Salut! Donc là, en fait, Mélanie récupérait mon technicien Dani et son garçon petit Noé qu'il a joué avec moi sur mon concert de la foire et, avec papa. Donc ben voilà, c'est parti pour aller chercher les nouveaux instruments. J'espère que dans le magasin, ben, ça va rentrer avec la caméra. Et si jamais il laisse pas moi, vous allez voir à la suite de la vidéo. On va montrer à directement les instruments comme ça arrive à la maison. Ouais. Là, Nina, petit Noé. Là, nous l'est dans la catégorie luxe des guitares. Donc, Zonena, la balle est Taylor. Ici, Zonena, du Gretsch, du Godin aussi. Fender. Voilà, voilà. Donc, moi, m'y partirai sur une Taylor. Donc, vous devez voir lesquelles m'a choisi juste après. Ça. Voilà, ma fille choisit les instruments que m'y veut. Donc, m'a pris une guitare, un ukulélé et deux, trois petits trucs. Ça y est, ouais. M'a fait un petit arrêt à côté de la balance canne. Juste canne de CCVG. Donc, voilà, ça c'est un arrêt obligatoire. On va présenter un petit bout de stand. Voilà, attends. Voilà, allez, fais un tour. Petit jus glacé, franchement. M'a jamais boire un jus de canne aussi bon que t'es là. Donc c'est s'attendrer juste à côté la balance. Viens, je te fais un petit tour. Hop. Voilà, ça c'est monsieur Séveillé, spécialiste jus de canne. Vous êtes. Et en fait, Lily fait plusieurs parfums. Donc moi, je prends
jus de canne pur, et on peut avoir un jus de canne citron, gingembre, etc., etc. Et comme ça, tu vois, ben, il prend canne frais. Hein. Ah voilà, attends, on va mettre à zot les prix juste là. Là, le coco aussi. Voilà, voilà. Viens faire zot un petit tour, tiens là. Balance canne, attendez. Ouais, bon jus de canne frais. Canne ma pou, canne ma pou, canne ma pou, les doux. Calma pou, calma pou, calma pou les doux. Can Maurice, c'est bien plus doux, mais pour plus cher, il est plus dur. Ça cavale la morbillon fou, il mange à lui quand il est mûr. Can Maurice, c'est bien plus doux, mais pour plus cher, il est plus dur. Ça cavale la morbillon fou, il mange à lui quand il est mûr. Calma pou, calma pou, calma pou les doux. Calma pou, calma pou, calma pou les doux. Salut la compagnie, alors Mylène arrive chez moi, donc c'est l'heure de mon trazote. Quoi mal appris. Donc pour commencer, un truc que m'a toujours voulu depuis petite. Donc là, ma profité m'a amené un petit peu l'argent, m'a appris. C'est un ukulélé. Tada! Donc ça, c'est un ukulélé à 6 cordes de la marque Kala. En plus, tu connais quoi? Kala, normalement, c'est dessus à moi. Il doit savoir pourquoi la marque Kala. Il touche à moi vraiment. Et... voilà, comme a vu celle-là, m'a dit bon, ok, m'y prend direct. Bon, m'explique à ça vite fait. Kala, c'est une chanson emblématique de Ziskakan. Et aussi dans la religion hindoue, Kala, c'est le temps. Et moi, m'y pense que quand on joue la musique, le temps y arrête. Donc voilà. Ensuite vient le moment de la guitare. Youhou! Alors attends, ça m'est obligé de prendre la caméra pour montrer à Zed de plus près. Et Zed va voir, va faire une petite démo en direct pour Zed. Voilà. Et voilà, m'a enfin craqué mon slip. M'a pris une Taylor, les gars. Oh là 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 là. Cette date est à marquer d'une pierre blanche. Avant de tester la guitare, Mala aussi prend une sangle, chose que Mala n'avait jamais acheté de ma vie, mais elle joue toujours assis. Sauf que là, ben, bon, Mala décide de vouloir jouer un petit peu debout, donc m'a pris une sangle. Voilà. Moi, j'aime bien les petits motifs dessus. Hop, il focus, pas, focus. Ah, voilà. Donc voilà un petit peu les petits motifs dessus de la sangle. Et donc, nous va tester la guitare tout de suite. Bon, bah là aussi, pris un capot d'astre. Donc, on atteste tout ça tout de suite. Elle est trop la classe. Purée, quand Zati prend un matériel professionnel, Zati sent tout de suite la différence en fait. Elle est ouf, franchement. Et encore là, c'est à vide, sans...
sans ampli, sans rien. Parce que, ouais, en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu, moi, j'aime bien les guitares acoustiques, mais en général, j'y joue en électro-acoustique, c'est-à-dire, j'aime quand le son il est branché pour être amplifié. Donc voilà, m'a toujours pris des guitares électro-acoustiques, donc folk, micro, si je me trompe pas, c'est ça. Donc voilà, voilà. C'est une Taylor quoi. Est-ce que vous êtes sûrement un d'ailleurs, je tiens à dire merci à Dani et à Noé et surtout à mon papa d'avoir aidé à moi à choisir ma guitare, ma première guitare professionnelle. Bon, après, c'est pas non plus The Guitar et comme il dit, comme pour un photographe, c'est pas l'appareil qui fait le photographe, tout comme c'est pas la guitare qui fait le musicien. Mais quand même, quand on est là, tout le matériel, il donne un roulant de travail encore plus dur. Et t'es belle, franchement, il sent la différence. Enfin, je sais pas comment il explique à Zod, mais il a mis des trop content. Donc voilà, voilà, voilà. Appelle Ali, comment vous voulez? Appelle Ali, Allah. Appelle Ali, Shiva. Ali, même là où va être. Don't crack up.